Théâtre BCD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Amon Tobin, qui est en spectacle à Montréal, à guichet fermé. Également, les critiques de Gob, Nigo, The President of the United States of America, Pearl Jam, Radiohead, en fin d'émission. Oui, je vais vous faire languir. Et pour commencer, Green Day, leur nouvel album qui s'appelle Warning. C'est leur sixième album. Ça s'appelle pas Warning pour rien, parce qu'ils nous ont prévenu d'avance qu'il y allait avoir un changement au sein du son du groupe, une approche plus acoustique, et ils ont tenu leur promesse. Fini le fuzz. Le fuzz, c'est ce gadget qu'on connecte dans sa guitare qui fait bien du bruit. Et je pense qu'il y a plein de fans qui vont être déçus avec cet album-là ou qui vont du moins être surpris. Ils pourraient peut-être, on ne sait jamais, se découvrir un nouveau public parce que c'est assez différent. Quoique, on retrouve toujours l'énergie à l'écriture des chansons de Green Day, mais c'est beaucoup moins heavy. Fini la distorsion, tout est propre. Je crois qu'ils ont vieilli un peu. Ils ont peut-être vu aussi qu'il y avait une nouvelle génération qui poussait, parce que ça fait un petit bout de temps qu'ils ont, ben, eux, un peu, qui ont ouvert la porte au punk aux États-Unis. Vraiment, ils ont été les plus populaires avec des Offspring à l'époque, et ça a changé, il y en a eu d'autres. Puis, je pense à Billy Joe Armstrong, un bébé, une famille, ça change une vie, ça change les textes, puis ça change le style du groupe. Il n'y a quand même pas de mauvaises chansons sur le disque, mais c'est dommage qu'ils aient carrément rejeté tout leur côté punk. Il y a des fois, il y a des chansons qui seraient meilleures si elles étaient interprétées avec des arrangements punk. Et il n'y a pas beaucoup de variantes non plus sur l'album. C'est soit acoustique ou rock. On est pas mal toujours dans le même moule qui se répète. Et tout un album, au contraire, j'ai trouvé ça un peu long. Ils font quasiment aussi la sixième chanson. C'est quoi, une chanson à répondre à l'accordéon? Il y a des bouts, j'avais l'impression d'écouter un disque de Weird Al Yankovic qui fait de la polka, là. Tu sais, si ça vous dit quelque chose. Ou la huitième chanson, on dirait que c'est Love Me Do des Beatles avec l'harmonica et tout. Bref, j'ai déjà vu mieux. Et comme cote, ça n'ira pas plus loin que 6. C'est déjà gentil. Eux qui avaient été très impolis lorsqu'ils m'avaient rencontré, mais ça, c'est pas grave, je mets ça de côté, mais enfin, non, j'y pense toujours, je crois. Oui, j'y pense. Je les déteste. 6 sur 10, voilà, pour l'album, c'est quand même pas si pire. Un extrait de Minority, ça, c'est une des bonnes tonnes.